Wargaming nous propose une caisse légendaire, donc qui n'est disponible que 48 heures, et où il annonce un navire premium de rang 8 ou 9 garanti. Alors, si on regarde cette caisse, elle coûte 14 000 pièces d'or, et on peut l'acheter 3 fois maximum. Et dedans, on trouve des cuirassés premium de tiers 8 et 9. Et donc, effectivement, soit on gagne un de ces bateaux, soit on gagne 14 000 or, ce qui rembourse l'investissement initial. Alors, si par malchance on joue 3 fois et qu'on gagne 3 fois 14 000 or, en fait, on n'aura pas de bateau. Mais vu la probabilité d'avoir de l'or qui est de 0,11%, ça a peu de chances d'arriver. Alors les bateaux à gagner, comme je l'ai dit, sont des cuirassés premium. Alors j'en ai déjà de tiers 8 et 9. Donc j'ai déjà les tiers 8. Donc j'ai déjà le Kii, un japonais, le Roma, un italien, l'Alabama, un américain et le Tirpitz, un allemand. Alors, parmi ceux que je n'ai pas, en tier 8, il y a le Lénine, qui est généralement offert dans un lot avec différentes choses avec, un camouflage et je ne sais plus trop quoi d'autre. Mais c'est généralement, il est hors de prix, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris jusqu'ici. Donc, à la limite, ça m'intéresserait de l'avoir. Ensuite, un autre tier 8 que j'ai pas, c'est le Vanguard, un britannique. Alors, parmi les tiers 10, qu'est-ce que je n'ai pas? Le Missouri, un américain. Le Jean Bart, qui est le grand frère du Richelieu, un tiers au-dessus. Et le Georgia, qui est un cuirassé américain. Eh bien, je vais tenter ma chance en dépensant 14 000 or. Alors, bon, le prix est pas exorbitant. C'est quasiment le prix d'un tiers 8 à acheter. Et ça fait une remise, je dirais, d'environ 2 000 pièces d'or sur les tiers 9. Alors, 14 000, c'est parti. Et j'ai eu le Lénine, apparemment. Voyons ça. Le voici. Alors, il y a un petit côté Nelson là, avec ses trois tourelles là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'armurerie sur ce bateau? Détail. Une des variantes d'un cuirassé ultra rapide avec une batterie de 406 mm, projet 21. Alors évidemment, c'est un bateau papier hein, qui n'a jamais été construit. Développé dans le cadre du programme Gunflot, une des caractéristiques de ce projet était la confrontation des tourelles de canons principaux dans la proue du navire. Oui, ça c'est bien visible. Il a un système de visée précis qu'on peut utiliser deux fois et qui augmente de 45% la précision des canons principaux pendant 20 secondes. Il faut 75 secondes pour le recharger. Alors, donc c'est un premium, donc il est déjà entièrement équipé. Qu'est-ce que je vais prendre comme bonus? Alors, centre de contrôle des avaries, résistance au feu, aux inondations, 15% de plus. Et mitrailleur d'élite, ça c'est bien connu. Temps de rechargement des canons principaux, moins 3%. Et vitesse de rotation des canons principaux, plus 7%. Bon, clairement, je vais prendre mitrailleur d'élite, hein, pour améliorer la qualité de l'artillerie. Voilà qui est fait. Alors, il a des honneurs de bataille. Donc, si on dispute 10 batailles, on gagne 250 000 argent. Deux super amplificateurs d'expérience ultime.
et deux amplificateurs d'argent ultime. Ça, c'est la mission 1. La mission 2, infliger 75 000 points de structure de dégâts lors d'une bataille. Ouais, c'est pas impossible à faire. Et on gagne 4 aciers. Bon, bah, très bien. Alors, bah, on va l'équiper. On va commencer par le camouflage. Ah oui, voilà, le fameux camouflage rond uni qui fait partie du pack dont j'ai parlé avant. C'est assez joli. 3500 or. Et sinon, il y a le camouflage historique qui est plus sobre et qui donne exactement les mêmes avantages. Moi, je vais écoute le même prix. Bah, je vais prendre front uni, 3500 or. Donc, qui augmente l'XP et l'argent de 40%, qui réduit les dégâts de torpille de 6%, et qui améliore de 4% les points de structure, la portée des canons et la dispersion des canons principaux. Voilà. Alors, c'est pareil, je vais récupérer un commandant d'un autre navire. Je vais prendre l'amiral Kuznetsov. Voilà. Les consommables, ils sont mis tout seuls. Là, j'en ai un qui est un peu meilleur. Je vais le prendre. Les provisions. Alors, on va mettre le classique pour un cuirassé, à savoir ration améliorée pour améliorer le temps de rechargement de l'armement. L'autre maintenance préventive pour augmenter les points de structure de 3%. Et diesel raffiné pour augmenter la vitesse du navire et surtout la vitesse de rotation de 5%. Voilà. Alors, dans les équipements, bon, bah, ce tir-là. Alors, classiquement, soit je prends vitesse de rotation des canons principaux, soit dispersion maximale des obus. Bah, je vais prendre la dispersion réduite de 7%. D'autant plus qu'avec des canons à l'avant, on tourne moins les tourelles. Donc je vais prendre ça. Alors là, est-ce que je vais prendre la maniabilité? Vu la configuration du bateau, je pourrais prendre augmenter sa résistance. Là, j'hésite pour ce type de bateau. En plus, au tier 8, on peut prendre des mauvais coups. Je vais privilégier la résistance au feu, aux inondations, quitte à changer plus tard. Et pareil, de l'autre côté, il y a l'appareil gouverné pour accélérer la rotation. Mais de la même façon, je vais préférer défense anti-torpille, réduction des dégâts de torpille. Je vais prendre plutôt ça, défense passive. Voilà. Les amplificateurs. Bah, je vais mettre un amplificateur de commandant, évidemment. Et puis, bah, celui-là, super amplificateur d'expérience. Voilà, donc je suis entièrement équipé. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce bateau? Enfin, comment est-il? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc, Lénine, classe Lénine, les constructions 1942. Donc, c'est clair qu'en 1942, les Soviétiques avaient autre chose à faire que construire des cuirassés. Donc, 48 474 points de structure. Il file à 26,7 nœuds. Alors, il y a des canons de 406 mm en 3 tourelles triples qui se rechargent en 22,8 secondes, ce qui est plutôt bon, qui portent à 14,14 km, qui font... Alors, il y a des dégâts HE de 1180, probabilité d'incendie 14%, ce qui est pas mal, hein, c'est quasiment ce que font les cuirassés britanniques. Et donc, dégâts HE 180, dégâts AP 1947, il y a une bonne différence entre les deux.
Canon de secondaire, il a du 152 en 4 tourelles triples qui se recharge en 7 secondes, qui porte à 6,21 km. D'accord. Ah, il a des canons auto de, automatiques secondaires de 100 mm. Il en a 6 x 2, 12. Ouais, donc il est bien armé, hein. Alors, si on le regarde, on voit bien les trois tourelles triples à l'avant. Le 152 mm, ils sont sur le côté, plutôt à l'arrière. Et les canons de 100, on en voit trois de ce côté-là. Donc, ça fait 6 au total, 6 tourelles doubles. Donc, a priori, un bon armement. Eh bien, voyons maintenant ce que vaut le Lénine en bataille. Alors, nous ne sommes pas top tiers, un destroyer de chaque côté, un croiseur, pareil, et le reste, c'est du cuirassé. Alors, où est-ce que je vais aller? J'ai pas intérêt à rester tout seul. Je vais me rapprocher du gros de la troupe. Je vais même ralentir un peu pour qu'il soit devant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de destroyers et de croiseurs, donc je ne vais pas tomber sur le destroyer ennemi. Bon, si je pouvais avoir une cible. J'en ai quasiment une en face, là. Chapaïef, il va être à portée. Alors, s'il pouvait arrêter de tourner... Allez, on va essayer, là. J'ai des obus qui rebondissent, dis donc. Enfin, moi... Il recule. Bon, il y en a de ma fille qui va me rentrer dedans, là. Il me fatigue, lui. Le Chapaïef, ah, le Friedrich, là. Friedrich de flanc. Et on l'a eu. Oh, il est pénible ce Chapaïef là. Ça commence à bien faire. Hein. Thank you.
North Carolina. Al Chapayev, il va sortir. Ah, il va peut-être être coulé sans moi. Mince. Pourquoi ça avance plus là? Il est vraiment lourd à la manœuvre. Hein. Il y a quand même des obus qui rentrent pas. Hein. Voilà, puis tu es en mauvais état là. Oui, j'ai encore un obus qui n'est pas rentré. Hein. Chapayev a été coulé. Dans 4 secondes, est-ce que je vais tenir? On a gagné. $43,000 de dégâts, c'est pas trop mal. 35 coups de canon, 2 modules endommagés. Ah, on a un Tirpitz qui a fait un super score là. Oui, c'est grâce à lui, et c'est grâce à lui qu'on a gagné. Alors, première impression, alors je l'ai pas trouvé hyper maniable. Hein, en accélération, il est vraiment pas terrible à ce niveau. Sinon, il a une bonne artillerie principale. Donc bah, clairement il faut le jouer en support en deuxième ligne. Parce que comme on a vu, si on rentre dans un duel avec un croiseur, vu sa maniabilité, on a un peu de mal à faire face. Hein. Donc pour une première impression, bah, il faut compter sur son artillerie. Et bon, puis rester à distance, un peu comme on joue le Nelson ou le Richelieu. Bah, tout ça a confirmé dans de futures batailles. Voilà, à bientôt.